Good morning, allez, Idan Lexus sera aujourd'hui l'info à tout le vieux Israël Shimon ben Chaya Esther, Inon Chai ben Jessica et Shmuel Meir ben Myriam Serel Betor Shach Hol Israël. Si vous êtes aussi d'idée d'une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelle. Nous étudions le Sechet Psachim, Perek Aleph Mishnah Heve, Od Amar Rabbi Yehuda. Shte Chalot Shel Toda Psulot Munachot Al Gaga Yitzteba. Kol Zman Shmunachot Kol Am Ochlin Nitla Achat. Tolin, lo ochlin, velo sorfin. Nitlu shteyen, itchilu kolaam sorfin. Rabban Gamliel Omer, chulin nechalin kol arba, utruma kol chamesh, ve sorfin bitchilat shesh. On a une Mishnah, la Mishnah qui continue la Mishnah d'Alet ouverte hier, le sujet ouvert hier, qui parlait du fin d'heure de consommation du chametz. On avait appris qu'il y avait deux avis. Soit, tout d'abord, on avait expliqué que selon la Torah, depuis le début de la 7e heure, soit une fois qu'on a fini les 6 heures, 6 heures pleines, on entre dans la deuxième partie de la journée, là, le Hametz devient interdit minatora. Chachamim, on fait un décret d'interdire une heure au profit et à la consommation, et d'aucune manière on ne peut plus rien en faire de ce Hametz depuis le début de la 6e heure, ça c'était admis de tous les avis, avec ensuite une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, à savoir si. Durant la 5e heure, c'est-à-dire depuis la fin de la 4e jusqu'à début de la 6e, quoi, est-ce qu'il y a une zone tampon où en fait on va interdire à la consommation mais permettre au profit? La crainte essentielle, elle était, selon Rabbi Yehuda, elle était que de peur qu'il va y avoir un jour nuageux. Yom Ameunan, Xeram Shum Yom Ameunan, un jour nuageux, qui va faire qu'on ne va pas pouvoir voir le soleil et discerner est-ce qu'on est en ce moment, est-ce qu'on est déjà entré dans la 4e heure ou pas, est-ce qu'on est déjà entré dans la 5e heure ou pas, ou est-ce qu'on a plutôt, est-ce qu'on a dépassé la 6e heure, et peut-être on est même entré dans la 7e heure, et donc du coup, Rabbi Yehuda a fait un décret que, à partir de fin de la 4e heure, début de la 5e, tu ne manges plus de chametz. Ça, c'était la vie de Rabbi Yehuda. On va commencer la Mishnah avec, à présent, une anecdote que Rabbi Yehuda rapporte, qui vient en fait étayer son avis, apparemment. Ve'odama Rabbi Yehuda. Et encore, il a dit aussi Rabbi Yehuda, il a ajouté Rabbi Yehuda. Il raconte une histoire qui se passait à l'époque du Beit HaMikdash. Shtei chalot shel toda psulot munachot al gaga itztaba. Il y avait deux chalot de toda, du korban toda, deux chalot chametz, qui étaient invalidées, que l'on posait. Shayumunachot al gaga itztaba, composé sur le toit ou ouais, sur le toit du comment dire du balcon autour du harabait. On va expliquer après chacun des détails. Pour le moment j'avance. Il y avait un balcon donc quelque part au harabait, au mont du temple, et là-bas on posait deux chalot qui étaient chametz de korban toda qui étaient de toute façon invalidés et on attendait. Et kolzman shemunachot, tant que les deux étaient posés, kolaam ochlin, tout le monde, tout le peuple mangeait. Nitla achat, dès qu'il y en avait une qui était prise, soit à un certain moment de la journée, il y avait un chaliar beddin qui marchait sur la muraille, qui venait et qui ramassait une chala. Et donc du coup, c'était le signe que quoi? Tolin, qu'il faut suspendre, soit lo ochlin velo sorfin. On s'arrête de manger, mais on ne brûle pas encore, pour le moment. On n'a pas encore le devoir de brûler. Et donc, à ce moment-là, ça devient juste interdit à la consommation, mais permis d'en tirer profit. Nitlou shteen, dès qu'après, l'heure d'après, le chaliar beddin marchait là-bas, de nouveau sur la muraille, on voyait venir, et on venait prendre la deuxième. Alors là, c'était le coup d'envoi pour que, itrilou kolaam sorfin, tout le monde commençait à brûler enfin leur chametz. Il y a plusieurs détails à expliquer. Premièrement, l'idée générale, vous l'avez compris, il y avait en fait, à l'époque du Yerushalayim, à l'époque du Beit HaMikdash, on faisait un grand signe bien clair que tout le monde puisse constater, vivre l'évolution du Hametz depuis le 14 du matin. Qu'est-ce qu'on en fait? On pose les deux chalot, ça veut dire que tu manges, après il y a le chaliar beddin qui vient d'une première fois, tout le monde l'a vu là-bas, marcher sur la muraille, il a pris une première chala, ça signifie que maintenant on suspend. Après, il vient chercher la deuxième, c'est-à-dire que maintenant, c'est le moment de le brûler. Ça, cette anecdote-là que rapporte Rabbi Yehuda, c'est une preuve, pour son avis, que, à la différence de Rabbi Meir, selon Rabbi Meir, on passe du tout au rien. Je te permets de manger, de tirer profit. Durant toute la 5e heure, début de la 6e heure, on arrête tout, on brûle tout.
Donc d'après Rabbi Meir, il n'y avait pas lieu d'avoir ce signe en deux étapes. Je ne sais pas comment Rabbi Meir répondait à cette histoire. Est-ce qu'il discutait qu'il n'y avait pas eu d'histoire pareille? Je ne sais pas. Ou peut-être ce sera répondu comme le prochain avis, comme Rabban Gamliel, on expliquera encore peut-être. Mais en tout cas, donc il y avait une anecdote comme ça qui prouve qu'apparemment, ça se passait en deux étapes, l'interdiction du Khametz. Maintenant, pour mieux comprendre cette histoire-là, qu'est-ce que ça fait? C'est quoi ce pain du Korban Toda? D'abord, le Korban Toda, c'est un pain qu'il fallait apporter, un Korban qu'il fallait apporter, avec en plus de ça, une quantité énorme de pain. D'accord? Ça faisait, une fois, j'avais fait le calcul, j'ai oublié, ça fait l'équivalent de, je ne sais plus. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Il y avait plusieurs kilos, en tout cas, c'est une dizaine de kilos, quinzaine de kilos de pain au moins, quoi. Et il y avait la moitié qui était fait avec des chalot matzot, chalot ou kike matzot, et une autre partie, et la moitié qui était faite avec des chalot chametz. Al chalot lechem chametz, il fallait faire vraiment des chalot chametz. D'accord? Donc c'est un korban très particulier, que de ce fait, on ne pouvait pas porter le korban toda à Pessah. Parce qu'on ne pouvait pas apporter des pains au Beth Amikdash, du pain chametz à Pessah, parce qu'on ne pouvait pas le manger ensuite. Donc du coup maintenant, plusieurs personnes devaient apporter un korban toda. Chacun qui devait reconnaître Hachem, parce qu'il avait été sauvé, il avait traversé le désert, il était tombé malade, une femme qui avait accouché. Aussi, notamment. Donc du coup, il fallait apporter des korban toda. Du coup, celui qui devait, maintenant, pas tout le monde habitait à proximité du Yerushalayim, on se retrouve en problème du coup. Parce que Pessah, c'est l'occasion de monter à Yerushalayim, mais si quand je monte, je ne peux pas faire mon korban toda, je suis en problème. Donc les gens avaient l'habitude de devancer un jour avant, depuis le 13, ils arrivaient un jour plus tôt, et comme ça, durant le 13, ils faisaient leur korban toda, et ils faisaient le pain, ils mangeaient le pain pour le soir avec les grillades, s'ils avaient l'habitude de faire des grillades le soir à Yerushalayim, avec le korban toda, bien sûr, et donc ils mangeaient ce pain, et puis forcément, il y avait une quantité énorme de pain à Yerushalayim durant le 13, qu'ils n'avaient plus rien à faire le lendemain matin, parce que dès que le matin se levait, le pain était invalidé. Donc on saisissait l'occasion, on mettait là-bas deux chalot de Toda, et comme ça, ça faisait un super signe pour tout le monde. On voyait les chalot, elles étaient posées, peut-être, je ne sais pas comment il est suspendé en l'air, c'est interdit de suspendre du pain. Peut-être que, je ne sais pas, peut-être qu'ils mettaient deux grosses assiettes, et comme ça on voyait qu'elles étaient là, puis après, les gens constataient essentiellement le chaliar qui venait, qui les ramassait, qui les prenait ensuite. Et donc voilà, on a fini avec l'anecdote de Rabbi Yehuda, et donc qui est une preuve pour Rabbi Yehuda contre Rabbi Meir. Sur ce, on va avoir maintenant un troisième avis, qui est Rabban Gamliel. Rabban Gamliel Omer, Chulin Chalin Kol Arba, Utruma Kol Chamesh, Vesorfin Mitrelat Shesh. Selon Rabban Gamliel, alors ça ressemble de nouveau à Rabbi Yehuda, en fait, avec une petite nuance, une petite différence. Je traduis. Chulin Nechalin Kol Arba. Le pain Chulin, profane, il peut être mangé durant toute la quatrième heure, mais pas depuis le début de la cinquième heure. Ça, c'est vraiment comme Rabbi Yehuda. Maintenant, à partir de la cinquième heure, Rabbi Yehuda, lui, faisait aucune distinction et nous disait, bon, ben maintenant, à partir de la cinquième heure, maintenant, vous ne pouvez plus manger, mais vous pourrez en tirer profit. Ça, c'était Rabbi Yehuda. Rabban Gamliel, lui, dit autre chose. Il nous dit, Utruma kol chamesh, et la trouma, elle peut être mangée durant toute la cinquième heure. À savoir, la trouma, c'est le pain qui est kadosh. Qui appartient au Kohanim, qui a une gdusha de Trouma. Il y a une halakha, que d'ailleurs ça va être le sujet des deux prochaines Mishnayot, qu'il faut bien préserver tout ce qui est Trouma, à ce que ça ne subisse pas d'impureté, à ce qu'on ne l'invalide pas pour rien, qu'on ne la détruise pas pour rien. Il faut faire une Mishmeret, et Mishmeret Troumotaï, la Torah l'a dit. Il faut bien les garder, bien les entretenir, les manger avec beaucoup de kavod pour les Kohanim. Et du coup, Rabban Gamliel nous dit, écoute, franchement, la trouma, c'est qui mange la trouma? C'est les Kohanim. Les Kohanim, c'était des gens zélés, très zélés dans la mitzvot. Il n'y avait pas lieu de leur faire le coup, de leur interdire depuis la quatrième heure, dans la mesure où, en contrepartie, tu risques de détruire pour rien de la trouma. On n'a pas envie de détruire de la trouma. Du coup, on va laisser la trouma kol chamesh, que la trouma, elle va être mangée durant toute la cinquième heure. À la différence de Rabbi Yehuda, que Rabbi Yehuda nous disait juste, il n'y a aucune différence entre la trouma et ce qui était chouline. Il nous disait 4, tu manges, 5, tu arrêtes de manger, juste tu tires profit mais sans manger. Et si tu brûles, lui nous dit, ben non, pendant la cinquième heure, tu pourras même manger aussi la trouma. D'accord? Et Vesorfin Bitrelachesh, par contre,
tu brûleras ensuite le chametz à la sixième heure. L'halakha n'est pas établie comme Rabbi, comme Rabban Gamliel, mais uniquement comme Rabbi Yehuda, comme ce qu'on a bien l'habitude de le faire, que depuis le matin de Pessah, on s'arrête à un certain moment d'en manger, mais on possède encore du chametz, et puis après on va le brûler dans l'heure qui suit. Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Kol Tov, Selah.